Élevée du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Saint-Forien, Kalala Balandaï. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez et selon votre fuseau horaire. Mbote, Mbote Nabino Banso, Bandeko, Babolingo, Payimboka, Banabetu, Moyo Nbonso, Wandugwa Penzi, Tunawa Salimiya, Nini Wote, Bampangi Yamono, Yaluzolo, Mbote Nabenu, Mbote Nabetu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Bandeko, Babolingo, donc nous revenons. Revenons de nouveau à chaque fois au fur et à mesure, presque tous les jours maintenant. Voilà, aujourd'hui, nous allons juste vous parler du retour de syndicat de colo. Du syndicat de colo et puis commenter l'une ou l'autre actualité, mais principalement de syndicat de colo. Nous avons une vidéo que nous allons vous montrer. Donc, il brille par son exemplarité en allant honorer la mémoire de Rossi Mukendi, le héros tombé martyr du régime de la Kabylie, lui qui avait un seul slogan, le peuple gagne toujours. Alors, comment est-ce que nous pouvons interpréter ce retour? Donc, nous connaissons les gens, les enjeux du moment. C'est que, bon, le FCC pèse lourdement sur le président Félix Tshisekedi. Et que plus les poids lourds de l'opposition, de la société civile vont revenir dans le pays, plus Félix Tshisekedi aura un gros soutien pour se démarquer, de Kabila, pour s'émanciper de Kabila. Il faut reconnaître que Syndicat de Colo, c'est un grand acteur politique. Et son retour n'est pas seulement à accueillir dans le cadre de la politique, mais également, il dit qu'il porte plusieurs casquettes, qu'il est homme d'affaires. Cela veut dire qu'il revient également pour investir dans le pays. Bon, il n'a pas mâché les mots. Il remercie le président Félix Tshisekedi. Il dit que n'eût été lui, il ne serait pas revenu au pays de cette façon-là. Au moins, lui, il est sincère. Mais il y en a qui pourraient remercier, comme Moïse Katumbi. Bah, il biaise cela au lieu de le dire directement par des mots beaucoup plus direct. Il reconnaît Félix Tshisekedi comme président, mais pour dire je remercie le président Félix Tshisekedi d'avoir facilité l'obtention de mon passeport, non, c'est normal, c'est son droit, patati patata. Bon, maintenant il permet qu'il retourne au pays, il a été débouté de la justice. Toujours pas de remerciements, on ne sait pas. Bon, peut-être qu'il le fait en catimini, ben, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que nous nous souvenons de Passinayo, Passinangai, Dikenagai, Passinangai, Passinamoni, on connaît ça. Alors, nous allons visionner cette vidéo-là et vous allez sentir que vraiment, la personne du syndicat de Colo, le président, l'initiateur de Congolais Debout, il est vraiment très favorable à Félix Tshisekedi et pourquoi pas, peut-être que
le président ou l'équipe du président lorgnera de son côté pour utiliser son expérience. Pourquoi pas un prochain ministre? Évidemment, chef d'entreprise, lui-même déjà, il est un poids lourd dans les affaires, donc il va investir, hein. Il a beaucoup investi en Angola, mais voilà, le tour d'investir maintenant au Congo. Regardons. En mémoire de mon cher professeur, M. Chimanga, mais aussi de son illustre fils, aussi héros national, je viens respectueusement m'incliner et manifester la gratitude et le profond respect de tous les Congolais de vous, syndicat de Colombie.
Aussi Chimanga, c'est pas seulement une famille, c'est aussi un symbole. On est des Africains et c'est quelqu'un qui a incarné toutes les valeurs pour lesquelles nous nous engageons. Ils sont des citoyens qui ont une idée de la dignité, qui ont une idée de la responsabilité, qui ont une idée du patriotisme. Et c'est grâce à ce citoyen modèle qui a été incarné par son sacrifice suprême que je pense que nous avons changé la donne politique dans ce pays. Et c'est irréversible. Il y aura vraiment un avant Rossi Chimanga et un après, de la même manière qu'il y a eu un avant élection de la fin de 2018 et un après. Et donc c'est cet héritage qu'il faut maintenir vivant, ce symbole. Et nous, on est des Africains, on est des camarades des mouvements citoyens, ça aurait pu être l'un d'entre nous qui serait tombé. Et donc c'était important qu'on aille manifester notre solidarité, parce que finalement pour nous c'est pas un fonds de commerce, c'est réellement quelque chose dans lequel on a foi, et donc c'est important que pour nous tous on vive en sachant que si l'un d'entre nous tombe, il ne sera pas tombé en vain et qu'il ne sera pas oublié des autres. Et donc c'est pour ça que la priorité c'est pas d'aller voir des politiques ou d'aller non, c'est vraiment d'aller
porter secours aux familles et puis leur manifester notre soutien moral. Le personnage de Rossini c'est un symbole que nous tous, nous avons la responsabilité de porter à un autre niveau. Alors c'est comme ça que nous devons nous associer à toutes les initiatives de la famille, de créer une fondation qui porte son nom, de rendre hommage et de garder sa mémoire vivante. Parce que c'est un combat qu'il a animé et c'est un combat qui nous incombe à nous de garder son combat vivant, au-delà de sa mort physique. C'est quelqu'un qui est un symbole. Il a été le symbole de la lutte pour des valeurs, pour une certaine idée de la liberté, de la dignité nationale. Vous savez, nous sommes Congolais debout. Je suis venu à ce titre avec mes camarades des Congolais debout. Nous sommes apolitiques, mais c'est pas seulement donc c'est pas la personne politique, mais c'est réellement le grand combattant qu'on est venu voir. Vous savez qu'il a été emprisonné à tellement de maintes reprises, mais surtout récemment. Et on a gardé contact au cours de son calvaire en prison. Et il a toujours été très proche de notre combat, de notre engagement. Et puis c'est vraiment un frère pour lequel j'ai beaucoup de sympathie et d'amitié. Donc c'était important à mon retour que je puisse venir le saluer. C'est lui mon grand frère, donc c'est moi qui suis venu jusqu'à chez lui pour le saluer dès mon arrivée. Je suis profondément choqué, étonné. Parce qu'il a toujours été caractérisé par beaucoup d'humilité, beaucoup d'engagement pour le pays. C'était un grand acteur internationalement connu, trop engagé pour le bien-être des Congolais comme citoyen, à travers son grand mouvement, les Congolais debout, dont on a vu les combattants, les militants être arrêtés à l'ANR pour plusieurs mois. Et ses avocats réellement être arrêtés, détenus arbitrairement également, mais il n'a jamais fléchi. Je salue son engagement pour le pays. En ce qui concerne mon combat, c'est un frère qui a gardé la défense du pays. Il m'a personnellement défendu dans toutes ses prestations publiques à l'international, dans ses relations. C'est un frère qui a beaucoup contribué pendant que j'étais en captivité. Le fait de venir jusqu'à la maison, c'est un honneur parce qu'il a dit, je suis le petit frère, je dois aller voir mon grand frère. Vous ne venez pas me voir, c'est moi, je dois venir vous voir. Voilà le caractère de son humilité. Je salue également la volonté de rentrer au Congo maintenant parce que pas seulement qu'il est citoyen debout, chef d'un grand mouvement de la société civile, il a contribué beaucoup à l'œuvre de la CLC comme Congolais debout société civile, mais aussi c'est un investisseur, c'est un homme d'affaires. Nous avons besoin que des hommes d'affaires comme lui, des investisseurs comme lui, rentrent au-delà du combat citoyen comme investisseur, je le demande,
d'investir au Congo également pendant cette heure du changement. Donc il ne peut pas seulement venir comme Congolais debout, mais comme investisseur. Il doit se venir comme millionnaire. Non, je dis bien, il doit revenir également comme investisseur, parce que tu es un grand investisseur au niveau international. Nous avons besoin qu'il vienne investir également au Congo, parce que tous ces jeunes qui nous sont tous chez mère. Qu'est-ce que c'est dit au cachet? C'est l'amour du Congo. C'est l'amour du Congo. Syndicat, qu'est-ce que c'est dit au cachet? Non, ça c'est quand un duo, vous avez toujours une communion des intelligences. Mais plus que ça, moi j'ai reconnu dans le combat de mon grand frère Franck Diongo à distance des valeurs et des principes dans lesquels moi je me retrouvais. Donc je pense que c'est important que pour notre jeunesse, puisqu'on est un pays très jeune, puisque nous les Congolais debout, on se bat pour dans l'objectif d'avoir de meilleurs politiciens, on soit de meilleurs citoyens. Nous, on a vu en tout cas dans son combat, combat désintéressé et patriotique, on a vraiment reconnu les valeurs qui nous motivent, nous, au niveau des Congolais debout. Donc c'est vraiment la personne, le personnage, la philosophie, les valeurs que je suis venu saluer au-delà du politicien. L'initiateur de Congolais debout a également été reçu par le président de la République, à qui il a présenté ses remerciements. Regardons. Le fondateur du mouvement Les Congolais debout, syndicat de Boulot, apporte sa contribution pour le développement de son pays qui n'est autre que la République démocratique du Congo, le président de la République. S'est entretenu avec les opérateurs économiques, culturels et initiateurs de ces mouvements, nous dit Anakia Mounounda dans ses reportages. Après 4 ans passés à l'extérieur du pays, syndicat de Golo a saisi la main tendue du président Félix-Antoine Tshisekedi pour rentrer au pays. Le fondateur du mouvement des Congolais debout s'est dit plus membre de la société civile engagée et comme politique. Il a rappelé la priorité qu'il accorde à l'éducation du civisme aux jeunes et s'est déclaré émerveillé par l'idéal de l'état de droit gardé par le président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est vrai que j'étais dans l'impossibilité. Le premier message, c'était merci. Parce que c'est vrai que sans lui, ça n'aurait pas été possible. Et puis le second message, évidemment, c'était lui rappeler notre engagement dans l'éducation du civisme, dans la consolidation de l'état de droit, et à quel point nous, les Congolais debout, nous étions engagés à ce qu'on continue ce travail d'édification de l'état de droit au Congo. J'étais rassuré de constater que depuis l'époque du combat, pour qu'on puisse avoir un renforcement de la démocratie et des élections, il a gardé la même détermination pour maintenir cet idéal démocratique vivant et travailler à l'édification de cet état de droit. L'idée des Congolais debout, c'est que pour arriver à construire un pays, on ne peut pas avoir que des politiques, il faut aussi avoir une société civile engagée et des citoyens engagés. Mais c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, et notamment, je suis homme d'affaires, comme beaucoup de gens le savent. Moi, j'ai des antécédents, puisque mon père a été le premier Congolais à créer une banque dans ce pays. Et c'est aussi dans cette perspective-là que j'inscris mon retour, puisque je veux contribuer à l'édification de notre pays. Vous savez qu'on a un pays qui est fabuleusement riche, mais encore en friche, puisqu'il y a encore tout un potentiel exploité. On a une jeunesse qui est là, à qui il faut donner de l'emploi, il faut donner des perspectives, donner de l'effort. Et nous pensons que les Congolais qui en ont la capacité doivent absolument s'engager dans cette voie-là. Donc c'est aussi le sens de ma présence. C'est quelqu'un qui est très ouvert, il a le facteur humain qui est très fort. Et je pense que j'ai salué et j'ai encouragé, au nom des Congolais debout, son approche, qui était de dire « je n'ai peut-être pas été élu par tout le monde, mais en tout cas, je suis le président de tous les Congolais et tous les Congolais ont leur place pour venir participer au travail d'édification de ce grand pays. » Et donc, je trouve que cette position d'ouverture est tout à son honneur
Et en tout cas, nous avons décidé de saisir la main tendue, de rentrer et de nous mettre au travail. Syndicat de Colo affirme venir contribuer à l'enrichissement de la vie culturelle nationale. Chers compatriotes, il faut noter aussi que le président Félix Tshisekedi est très impliqué à instaurer un climat de paix avec les pays voisins. Nous avons 9 pays voisins, dont quelques-uns, comme l'Ouganda, le Rwanda, un tout petit peu le Burundi et la Tanzanie ont des problèmes avec nous. Alors, le président ferme quand même les yeux sur les problèmes qu'il y a entre le Rwanda et le Congo et reçoit, privilégie d'abord la paix. C'est pour ça que nous remarquons qu'il a reçu le chef d'état-major rwandais qui est arrivé pour rendre hommage. C'est ses propres mots, il parle anglais. Donc c'est ses propres mots pour rendre hommage au président Félix Tshisekedi. Et c'est très important pour la paix entre nos deux pays, rétorque un général congolais, son homologue qui est là, ensemble avec le président Félix Tshisekedi. Regardons un peu la vidéo. Toujours à la Cité de l'Union africaine, cette fois-ci notre confrère William Lapumuli a tout d'abord le rapport que le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi a reçu le vendredi dernier en son bureau, comme je le disais, à la Cité de l'Union africaine, le chef d'État-major de l'armée rwandaise. Suivez Patrick Nyangumba au micro des Fiston Patondo. Invitation of my counterpart. Nous sommes ici comme une délégation du Rwanda pour rendre visite suite à l'invitation du chef d'État-major général de FARDC, on a eu une réunion très fructueuse et on venait ici pour rendre hommage à M. le Président de la République et lui remercier des efforts de FARDC, de la coopération entre nos deux armées. Et lui aussi donner les salutations du président de la République rwandaise. Nous sommes des voisins et qu'en tant que voisins, nous devrions renouveler nos engagements sur le plan de la coopération de manière à ce que nous puissions nous sécuriser mutuellement et améliorer les relations entre nos deux armées de manière à ce que nous puissions s'installer et qu'on élague l'insécurité de manière à permettre le développement de notre sous-région. Voilà donc, la paix est très importante entre nos deux pays en ce moment parce que nous sortons d'une longue période d'affrontement et de massacre à l'Est. Mais ce n'est pas encore terminé, il faut éradiquer tous ces groupes armés là de l'Est et il est très important qu'on fasse la paix entre le Rwanda et le Congo. Et voilà pour le reste de l'actualité. Bon, les moins d'un semi, le député, est-ce qu'il est encore député? Bon, le député honoraire, il a été libéré, en liberté provisoire. Voilà, il n'est plus à la prison de Makala. Voilà pour ce soir ce que nous avions gardé pour nous, pour nous partager et commenter un peu. On va se revoir une prochaine fois. Bandeko Babolingo. Tout mon ami. Tokutana Atalobi. Voilà. Ciao. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous en avons fini pour aujourd'hui. Bandeko Babolingo, Bayimbo Kayanso, de l'Indibino, et Sili pour Nalelo. Banabetu, Basuibwe, Tudi, Tonolaya, Kwakujika Balelo.
ni tumlangana na sha makelela wanu wa penzi tunamaliza leo tutaonana kata kesho mampani ya mimi ya luzolo betu re manisa mbubu ya yi betu takutana mbasi au revoir.